Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. La plupart sont dans la misère ces temps-ci. Pourquoi? Je tiens une piste menant à Germain. Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie l'évêque? Tu la connais? Et l'évêque font partie des Templiers depuis la Troisième Croisade. Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain. Je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grains qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait. Je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache Madame l'évêque. C'est une espèce de feu. Quelque chose les agite, mais quoi? Où les clients sont les gars? Allons! De l'ombre! Laissez-nous passer! On meurt de faim! À la fois! Hé! Hey, revenez ici! Vous avez dépassé le quai, bande d'idiots! Où est-ce que vous allez? Et maintenant, je poursuis les bateaux. À la bâbord! Vas-y, pas de quoi ici à l'heure des camps! Plus vite, allez! Où tu vas? Attention sur tribord! Touquet, nom de Dieu! Attention! Où tu vas? Je t'avais promis une promenade au bout d'une pique! Si je voulais, j'en ferais autant. Attachez-moi ces amarres! Capitaine! Tout s'est bien passé? Oui, madame. Vous avez vos ordres? Ici, madame. Bien. On m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs. Bien, madame. Au travail! Quelque chose. Ah. Maudit foutre. Moi, on t'en rendrait. Thank you.
qui a eu Jacques. Mes oreilles ne m'ont jamais trahi. Ton compte est bon. Le palais du Luxembourg. Ah. Qu'est-ce que vous allez y faire ?